Elle y a beaucoup de facteurs qui contribuent à la graisse du ventre, comme la mauvaise alimentation, le stress, la sédentarité. Il est donc important de faire les changements nécessaires dans votre mode de vie pour perdre du ventre. Voici 10 façons de perdre du ventre rapidement. 1. Adopter une alimentation saine. Il est important de adopter une alimentation saine si vous souhaitez perdre la graisse du ventre. En effet, cette graisse est souvent associée à des problèmes de santé tels que le diabète et les maladies cardiovasculaires. Il est donc crucial de faire attention à ce que vous mangez si vous voulez éviter ces problèmes de santé. Faites attention aux calories que vous consommez. Vous devriez essayer de limiter votre consommation de calories à environ 1200 par jour. 2. Faire de l'exercice régulièrement. Il est important de faire de l'exercice régulièrement pour perdre la graisse du ventre. L'exercice va tonifier les muscles de votre ventre et vous aider à brûler les graisses. Il existe de nombreux types d'exercices que vous pouvez faire pour perdre la graisse du ventre. Vous pouvez faire des exercices cardio, comme le jogging ou la natation. Vous pouvez également faire des exercices de musculation, comme les squats ou les fentes. 3. Boire beaucoup d'eau. Il est important de boire beaucoup d'eau si vous voulez perdre la graisse du ventre. L'eau aide à éliminer les déchets du corps et à garder les cellules en bonne santé. Elle permet également de contrôler la faim et les envies. Boire au moins 8 verres d'eau par jour est une bonne habitude à prendre si vous voulez perdre du poids et avoir un ventre plat. 4. Limiter la consommation d'alcool. Pour perdre la graisse du ventre, il est important de limiter sa consommation d'alcool. En effet, l'alcool est riche en calories et peut facilement faire grossir. De plus, l'alcool est souvent associé à des aliments malsains, ce qui peut aussi contribuer à la prise de poids. Il stimule votre appétit et peut vous faire manger plus que vous ne le devriez. Enfin, l'alcool est très facile à stocker sous forme de graisse, surtout au niveau du ventre. 5. Éviter les aliments riches en gras. Éviter les aliments riches en gras est l'une des meilleures façons de perdre la graisse du ventre. Les aliments riches en gras sont souvent très caloriques et peuvent contribuer à l'accumulation de graisse au niveau du ventre. De plus, les aliments riches en gras peuvent perturber le fonctionnement normal du corps et entraîner des fringales plus fréquentes. Pour perdre la graisse du ventre, il est donc important de limiter les aliments riches en gras et de privilégier les aliments plus sains. Vous pouvez par exemple opter pour les aliments riches. 6. Manger plus de fibres. Si vous voulez perdre la graisse du ventre, il est important de manger plus de fibres. Les fibres sont les glucides complexes qui se trouvent dans les fruits, les légumes et les grains entiers. Les fibres se décomposent lentement dans l'intestin, ce qui vous permet de rester rassasié plus longtemps. De plus, les fibres aident à prévenir la constipation, ce qui peut contribuer à un ventre plus plat. 7. Prendre des probiotiques. Les probiotiques sont de plus en plus populaires pour leur capacité à aider à la digestion et à renforcer le système immunitaire. Mais une nouvelle étude suggère que certains types de probiotiques peuvent également aider à perdre du poids, en particulier la graisse du ventre. L'étude, publiée dans le journal médical Nutrition, a montré que les personnes qui ont pris des probiotiques ont perdu plus de graisse abdominale et de poids que celles qui ne les ont pas pris. 8. Faire des massages. Des massages pour perdre la graisse du ventre? Cela peut vous sembler une idée farfelue, mais il y a une certaine logique à cela. En effet, les massages ont longtemps été utilisés pour favoriser la circulation sanguine et réduire les inflammations. Or, la graisse abdominale est souvent causée par une mauvaise circulation sanguine et des inflammations. En se massant le ventre régulièrement, on peut donc aider à réduire la graisse abdominale. 9. Éviter le stress pour perdre la graisse du ventre. Il existe de nombreuses façons de réduire le stress dans votre vie, et l'une d'entre elles consiste à faire de l'exercice régulièrement. L'exercice peut aider à améliorer votre sommeil, à réduire l'anxiété et à améliorer votre humeur. Cela peut également vous aider à perdre du poids, y compris la graisse du ventre. Donc, si vous cherchez à réduire le stress et à perdre de la graisse abdominale, pensez à ajouter un peu d'exercice à votre routine quotidienne. Avec un peu d'effort,
vous pouvez commencer à voir des résultats en un rien de temps. 10. Dormir suffisamment pour perdre la graisse du ventre. Dormir suffisamment est crucial si vous voulez perdre la graisse du ventre. Une étude a montré que les gens qui ont dormi moins de 5 heures par nuit ont 50% plus de graisse abdominale que ceux qui ont dormi plus de 8 heures par nuit. De plus, la qualité du sommeil est tout aussi importante que la quantité. Les gens qui ont dormi moins de 7 heures par nuit mais ont eu une bonne qualité de sommeil ont également un ventre plus plat que ceux qui ont dormi moins et ont eu une mauvaise qualité de sommeil. En conclusion, il existe une variété de façons de perdre du poids rapidement. Bien que certaines méthodes soient plus efficaces que d'autres, toutes nécessitent du dévouement et de l'engagement. Si vous voulez perdre du poids rapidement, vous devrez modifier votre mode de vie et être prêt à travailler dur.